By the way, this is not witchcraft. You're not in a bus that goes in the water, you're actually in a boat with wheels. If that reassures you. Here it is, the Saint Marie Current. The water you're seeing now was at Niagara Falls about a week ago and will be in the Atlantic Ocean in 5 days, approximately. So this is straight out of the Lachine Rapids. We're talking around 10,000 cubic liters of water per second. And the water is pretty shallow over there, actually. Here it's the harbor, so we need much deeper water, so we're talking 10 meters, 35 feet. But over there, it's only around 3 to 4 meters. Donc habituellement, on voit les gens y aller en voiture et revenir à pied. Non, ils sortent directement des rapides de la Chine. En fait. Ouais, parce que vous voyez le canal de la Chine qu'on avait vu tout à l'heure, il est là-bas. Et en gros, on a littéralement, donc les rapides sont un petit peu plus loin là-bas. Donc vous savez, il y a des compagnies qui ont des bateaux qui sont un peu plus pour pouvoir passer à travers des racines, donc des compagnies comme Jet Saint Laurent font des tours. Les eaux sont très peu profondes. Là-bas d'ailleurs, le niveau d'eau est quand même assez baissé, donc on voit très bien les rochers. Les rochers. Jusqu'à ici à peu près. Donc vous voyez quand même le courant est assez rapide jusque là-bas. Donc la plupart des bateaux s'aventurent seulement dans ces eaux-ci parce qu'on ne pourrait pas aller par là. Voilà. Mais sinon, de l'autre côté, on a aussi la voie maritime du Saint-Laurent qui est la ligne construite et qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin vraiment du canal. Le canal est un peu plus désuet parce qu'on ne pourrait pas trop maintenant. C'est ça. You can also see the two towers of the Notre Dame Basilica, and these towers have names. So here in Montreal, we developed a trick to find out which one is which. You see, each one of the towers is located in front of a place, a special place, if I can say. So one of the towers is in front of the Bank of Montreal. The name of the tower in front of it is Perseverance. Very useful, especially at these times. And the other tower is in front of an SAQ, which is a liquor store here in Quebec. And the name of that tower is Temperance, or Moderation, if you will. So from here you can see the number 1 McGill Street, and you'll notice that they have these very beautiful private gardens on the roof of the building. Expensive old Montreal. À quoi ça sert? Je suis sûr que t'as une réponse, toi. Oui, vas-y. Exactement, merci beaucoup. Un coffre-fort, yes, the vault of the bank. It's actually one of the only banks in the world with a vault located outside its own walls, but it's very well protected, fortunately or unfortunately for you. Donc, oui, c'est le coffre-fort, très très bien protégé. C'est l'une des seules banques au monde qui possède un coffre-fort qui se trouve à l'extérieur de ses propres murs, même si on ne parle que de 3 mètres de distance, véritablement. Oui, très bien protégé, bien heureusement ou malheureusement pour vous. Remain seated while we install the stairs in the back. I'll let you fly away and go visit Montreal some more afterwards. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Donc, je vous remercie de ma part et de la part de Raymond. J'espère que vous avez apprécié. Je vais juste vous demander de rester assis le temps qu'on installe les escaliers à l'arrière. Je vous laisserai ensuite volter vers d'autres paysages ici à Montréal ou plus loin encore. Merci beaucoup. Thank you very much.